Eh bien, salut à tous, c'est Compton 3997 et aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter une petite vidéo sur FIFA 15. Donc, dans cette vidéo, je vais faire un match de ma carrière avec Galatasaray, donc contre Gaziantepspor. Donc, c'est parti pour ce match contre Gaziantepspor. Donc, attendez, il faudrait que je trouve un système pour poser ça juste à côté de moi. Voilà. Non, ça va pas ce système. Bon, c'est pas grave, nique la logique. Ça fait rien. Je vais me démerder. Oh putain de manette de merde. Voilà, et on est sur PS4, hein, bon. Je préfère vous le préciser quand même. Allez hop. Même pas. Oh. Non, on va pas s'attarder sur les petits jeux. On va directement passer au match. Bonjour à vous qui nous rejoignez. Franck Sauzé est avec et voilà. Match. On programme une rencontre de championnat aujourd'hui. Vous pouvez voir Chourleux et tous les autres. Donc ce nouveau FIFA 15, franchement. Pardon si je touche, je suis malade. Je vais crever. Bon, c'est pas grave, ce nouveau FIFA 15, il m'a séduit déjà par la dégradation du terrain. Et tout, mais je trouve que ça a été un peu exagéré quand même, la dégradation du terrain. Mais c'est quand même réaliste. Donc là, ça va être parti pour eh bien ce match. Voilà, on voit l'arbitre de touche, là, traverser le terrain pour aller à l'autre bout. Ma composition maintenant. Voilà. Par contre, niveau graphisme, j'ai la démo de PES et c'est le PES qui est quand même devant largement, quoi. Mais ça va, ce FIFA, franchement, il est loin d'être dégueulasse. Et regardez, c'est propre. C'est... Ça va, c'est nickel quand même, je trouve. Alors, attendez. C'est le coup d'envoi. Grosse pression. Et j'espère qu'on va avoir un bon match. Et pressing. Allez. On commence déjà avec Burak Yılmaz. Burak Yılmaz. Un joueur de Galatasaray qui vont tenter de se montrer dangereux. Et vous pouvez voir que c'est assez dur maintenant de marquer de près. Hein. Enfin, même de loin d'ailleurs, mais de près. Faut vraiment tirer fort. Faut vraiment super bien placer le ballon. Faut bien doser. Vous avez vu. Maintenant, les gardiens ils sont trop forts, quoi. C'est. Voilà, par contre, j'aime bien ça qu'il n'y ait pas de coupure. Alors que dans PES sur les touches et tout, il y a des coupures et c'est franchement c'est chiant. Moi, j'aime pas. Ah. Ouais, ah, ah. Ah, ça aurait pu tromper le gardien, ça. Le pied de coin. Ah, il y a corner encore. Tiré par Alex Telles cette fois. Bon, moi, je vais éviter. C'est avec la PS4 on peut filmer que 15 minutes. Oh merde, il m'a piqué le ballon. J'espère que je vais arriver à bien jouer parce qu'à chaque fois que je filme, c'est déplorable. Enfin, je sais pas, à chaque fois que je filme, j'arrive pas bien à jouer. Que ce soit FIFA ou d'autres jeux, quoi. Allez, lève la tête et ça passe mal. Elle non. Est sortie de but. Mon pote, elle est sortie. Attendez. Un joueur qui n'est pas au mieux en ce moment. Il est à la recherche du bon rythme, j'ai l'impression. Attendez, c'est installé cette dans son page. Esprit. Ça m'ouvre des pages internet là, ça me saoule. Allez, Musfera. On va faire une passe longue là-bas. Bon, Yılmaz. Voilà. Wesley Schneider. Ah, il lui remet. Allez. Felipe Melo. Chourle va pouvoir centrer. Ouais, très bien joué. Chourle. Et le gardien qui l'attrape. C'est dommage. Allez. Oh, le drapeau s'est levé. Oh, que ça doit être limite. Allez. Gökhan. Voilà, on balance devant comme ça. Burak Yılmaz. Nelson Oliveira.
Nelson Oliveira. Oh non, ce qu'il loupe. Oliveira, t'as pas le droit de rater ça. T'as pas le droit. Cet attaquant est un vrai poison, il ne faut pas le laisser jouer comme ça, c'est incroyable. Oh là là, Oliveira, t'as pas le droit. Mais il l'a quand même loupé. Allez. Bon, Kilmaz. On est vers la zone de vérité. Entrez sur le. Kilmaz. Felipe Melo. Allez, Melo. La frappe. Non, la frappe, oh, trop levée. C'est un petit frisson dans le stade là. Putain, je vous l'avais dit. À chaque fois que je filme, il n'y a rien à faire. Non, attendez, c'est que le début du match là. Allez, allez. On va essayer de l'attraper comme ça. Hein. Allez. Allez, allez. On sent une certaine fluidité hein, dans cette formation. Ouais, absolument. Hein. L'équipe joue bien, les résultats sont là. Elle a toutes là. Les cartes en main pour faire une superbe saison. Il n'y a pas faute. Même sur l'arbitre, il n'y a pas faute. On s'approche. Ouh là là. L'anticipation du gardien. Ouais, la sortie s'imposait, il a su être vif. D'ailleurs, je crois qu'il est allez. Parti un petit peu tôt. Monsieur Gokenzan. Jusqu'à monsieur Alexis Pérez. Felipe Melo. Allez. Et il lui redonne. Allez. Il y a moyen de faire quelque chose. Il a du monde autour de lui, il y a quelque chose de bon à faire. Là, ça nous le dira. Voilà, oh, ce gardien qui l'arrête encore. Repousse, attention. Eh, mais j'ai pas dû le prendre offensif, moi. Ah oui, comme je commence, ça me fait dire des conneries parce que j'ai la reconnaissance vocale et du coup. voilà quoi. Felipe Melo. Allez. Encore Burak Yılmaz. La roulette. Magnifique. Allez. Ah, attention, la frappe. Oh non, l'arrêt ouais, du gardien là, encore. C'est pas fini. Magnifique. Franchement, les gardiens, ils sont vraiment plus forts dans ce FIFA. Vous pouvez voir que le terrain, comme je vous le disais, se dégrade, c'est vachement exagéré. Quoi. Allez, peut-être une bonne occasion. Ça fait trop. Franchement, ça fait trop. Et le ballon qui reste sur l'aile, bien joué. Ah, c'est bien taclé. Allez, André Schürrle. Allez. On va lui mettre dans la profondeur, hein, Schürrle. Allez, on y va tout seul. Oh, il repousse. Ah, il fallait dégager, c'est bien. Non, mais je suis en mode amateur, mais même le mode amateur, c'est dur. Hein, parce que le mode semi-pro m'a saoulé. Il est vachement dur et j'ai compris pourquoi le mode semi-pro était dur. Parce que il y a un mode débutant dans FIFA. Ça fait maintenant débutant, amateur, semi-pro, pro. Et légende, je crois. Et je crois qu'il y a même un truc après légende. Je sais plus. Allez, mon Felipe. Cette chouque. Un bon ballon dans le couloir. Yılmaz qui va oh, centrer. La tête. Oh, le gardien. Oh là là, c'est pas possible. Encore lui. Encore lui. Oh, regardez-moi ça. Mais c'est pas possible. Encore le gardien, mais c'est pas vrai. Oh non, sur le. La reprise de volée. Ah, c'est quand même un peu loupé. Hein, de surprendre un gardien d'aussi loin. Oui, c'est vrai. Allez. Non. Ballon qui file en touche. C'est la touche pour Galatasaray. Galatasaray. Allez. Télès. Yılmaz. Oh, il y a un coup à jouer, il a Yılmaz. Du soutien. Wesley Schneider. Oh, il y a du talent hein, chez ce joueur. Regardez ce qu'il allez, nous allez. Fait. L'occasion peut-être allez, avec cette frappe. Oh, c'est pas possible. Ouais, il fallait intervenir, c'est oh, bien. Oh, c'est pas possible. Allez. Erreur de marquage du défenseur. Il réussit à passer. Je vais mettre un pétard. Oh, ça va oh oui oh, la frappe est déviée. Ça a fait but. Ouh putain, il a le but de la main quoi. Le but contre son camp de la main. On voit ce but sous un autre angle.
Oh, c'est magnifique. Heureusement que l'arbitre a laissé l'avantage. Imagine, il aurait compté la main. Le salaud. Heureusement qu'il a compté le but, mais même ça marche pas bien le système de main. Même si on met avec, je Allez, sais pas. faut pas se focaliser sur cette Mais j'ai pas dit courbe. ultra offensif. Bon. Par contre, comme on peut filmer 15 minutes, je vais être obligé de filmer en deux coups. Donc du coup, là, eh ben, voilà. Donc je vous dis à tout de suite, je fais une ellipse. Allez, à tout de suite. Donc c'est reparti. C'est reparti. Donc comme vous voyez, il y a toujours un zéro. Ça va bientôt être la mi-temps. Et c'est reparti donc pour ce match de ma carrière Galatasaray Gaziantep Sport. Il y a touche là. 5 minutes de temps additionnel, on va jouer 5 minutes supplémentaires, c'est pas terminé. Voilà. Wesley Schneider. Schneider. Oh oui, le tacle. Pour bien éviter le Vous voyez, tacle. c'est beaucoup trop exagéré là, ce que je disais tout à l'heure, la dégradation de la pelouse. Après, Schürrle. Il y a un pote qui m'a dit on se croirait sur un terrain de rugby. Oh, C'est c'est pas bien faux. parti. Schürrle! Travaille bien sur Oui, le il l'a ballon, il mis! marque en finesse. Magnifique but de André Schürrle. Et ça fait 2 buts coup sur coup, Regardez-moi là, c'est pas ça. bien pour eux. Hop. Et ce genre de Hop ballon là. très précis, vraiment très difficile à négocier pour un gardien. On verra peut-être mieux ce qui s'est passé hein, sous un autre angle. Heureusement que Oliveira a sauté. Voilà, on voit l'intelligence des joueurs là. Oliveira a sauté pour que laisser le ballon passer. Sinon, s'il l'aurait dévié, soit ça aurait pris le gardien à contre-pied ou soit il aurait tiré à côté. Voilà, sur le 9 buts en Super League déjà. Et mon meilleur buteur c'est Burak Yılmaz. Il en a déjà 17, je crois. De but à rien et À deux l'autre, ça minutes compte comme un d'avance. CSC. Ça compte comme un CSC. Bon, bah, ok. Oula, on va sortir Allez, Mosquera. hors-jeu. Non, Je crois qu'il est hors-jeu. parti un petit peu tôt. Voilà. On va pouvoir tranquille dégager ce ballon. Et l'arbitre va sûrement nous siffler la mi-temps. Et boum. Même pas. Si, ça y est, c'est la mi-temps. Et voilà, mi-temps ici, et déjà 2-0 au score. Un but qui fait mal, hein, Franck. Ouais, juste avant la mi-temps, deux buts de Donc le retard devant premier son but, c'est un public. CSC. Ça fait mal. Ouais, ils l'ont compté comme un CSC, c'est cool. Non, on va regarder dans le film de la première période un peu. Ça c'est bien ça, on se croirait vraiment, on s'y croirait vraiment, j'aime bien ces petits trucs, cette cinématique et tout. Bon, ça c'était la frappe déviée. C'est le tacle de Melo. Ah ouais, ça c'est ce que je rate avec Oliveira. Là, c'est trop haut. Tu peux te prendre la tête, Felipe. Putain, il est rugueux quand même, Felipe Melo. Et tacle qu'il te fait. Là, c'était l'arrêt du gars du goal. Et on note aussi les salissures sur les maillots, hein, parce qu'ils étaient que dans les PES et maintenant dans FIFA ça apparaît. Et sur PS2, il me semble que dans les FIFA ça y était les salissures des maillots pourtant. L'arbitre là, voilà. La tête d'Oliveira. Ah ouais, cet arrêt du gardien, franchement. J'ai trouvé magnifique. Bon, c'est grand qu'ils vont nous remontrer le but. J'aimerais bien voir le but. C'est ça que je veux voir. C'est le but qui m'intéresse. Et même, il n'y a pas que les freins qui salissent, il y a les coudes aussi et tout. Il y a les couilles, il y a les genoux et tout. Ah non, ils nous l'ont pas montré. Détail du match, déclaré forfait, ralenti, reprendre. Bon bah tant pis, peut-être que dans les temps forts, tout le monde je est le en retrouverai. place. C'est le début de la seconde période. Non, pas défensif, t'es où? Équilibré. Allez, jusqu'à Alex Telles. Felipe Melo.
Ah, il rate sa tête, Schneider. Oh là là. Ils ont dû se faire engueuler à la mi-temps. Allez, Télès, voilà, qui la met en corner. Attention, attention à ces coups de pied arrêtés. Le niveau de la batterie de Raphaël Dufaux est faible. Ah putain, il manquait plus que ça. Alors attendez. J'aurais dû prévoir ça avant. Il est vrai que j'aurais dû prévoir ça avant. Là. C'est juste histoire de la charger la manette. Voilà. Là normalement, elle charge. On n'aura plus d'emmerde avec ça. Voilà. Ah oui. Image. Image. Allez. Ah oui, recoupe dans l'axe. Voilà. Oh, que ça circule Allez. Bien, c'est beau. Ah, attention la frappe. Allez. Non, ça n'ira pas plus loin, ballon dégagé. J'ai pas été assez rapide. Ballon pour Galatasaray. Allez, André Chourleux. Pour cette touche. On va tenter de déborder. Allez, on va centrer là. À la tombée. Oui, oui, oui. Voilà, oui, Gilman. Oh là 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 là, le gardien l'a arrêté, ça va sur le poteau. C'est pas possible. L'entraîneur de l'équipe à domicile qui va faire rentrer du 109. Allez, hop. Ah, ouais, c'est pas compliqué. Un pied droit avant les bras du gardien. Ouais, il fallait sortir, c'est bien joué. Ils se sont pas compris. Ah, Olivier, oh la faute là, hé. Allez, Nelson. Oui, Nelson Oliveira. Oh, ah, dommage. C'est bien taclé. Felipe Melo. Allez. Oliveira. Nelson Oliveira. Allez, la frappe. Encore ce gardien. Merde, qu'est-ce que j'ai fait? Allez, au moins ça débarrasse. Qu'est-ce que j'ai fait? Ballon qui file en touche. Comment on fait? Ballon pour Galatasaray. Je me suis trompé. Un changement avec un joueur qui va. Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait comme connerie? Wesley Schneider. Je me suis trompé de caméra. Bon, c'est pas grave. Ouais, joli tir. Ouais, c'est repoussé. Oh là là, mais qu'est-ce que j'ai foutu? Mais c'est pas possible. Mais non. Je veux pas la caméra pro, moi. Je veux la caméra par défaut. Merci. Ah non, mais c'est pas possible. Putain, du coup, voilà, ça m'a tout niqué. Voilà comment on perd son temps. Voilà. Qui est prêt à faire son entrée sur le terrain, devant son public. Allez. C'est Tchoukinan. Et le gardien. Il prend l'intervalle. Non, ça ne marchera pas. De la défense. Ah, il va aller mieux sauter hein, sur ce tacle. Ah, il ne peut empêcher le ballon de sortir. Bon, voilà le changement. Et tout ça pour perdre ce ballon sur l'aile. Nelson Oliveira. Allez. Le gardien savait comment je lui ai rentré dedans, il le gardien. Ne pouvait rien faire. Ouais, il a jailli. Je hein, lui ai bon rentré moment, dedans. Il a pris de vitesse l'attaquant. C'est bien fait, vraiment. Wesley Schneider. Nelson Oliveira. Allez, la frappe là. Oh, allez, c'est bon, il y est. Voilà, Bourak.
3-0. Et voilà. Vous allez pouvoir apprécier ce but une nouvelle fois ralenti. Le gardien qui est un peu malheureux sur cette action. Putain, en même temps, j'ai tiré en plein sur le gardien. On verra peut-être mieux ce qui s'est passé hein, sous un autre angle. Bah, il a taclé le ballon, il a tiré, il a marqué quoi. Voilà, Mousquera, la joie de Fernando Mousquera quoi. Voilà, 19 buts en Super League. 3-0 et toujours pas de réaction en face. Alors qu'on va peut-être faire des changements. Hein. Voilà. On va peut-être faire des changements. Schneider est fatigué. On va le remplacer par Altintop. Schürrle est fatigué. On va le remplacer par Ambarat. Et avant tout ça, remplacement imminent pour les... on va faire notre ellipse. Parce que je ne sais pas depuis combien de temps ça filme. Puis avec tous les problèmes qui nous sont arrivés. Alors... moi, je dis ellipse. Donc voilà, nous nous retrouvons. Cette fois, c'était la dernière ellipse. Donc le score est de 3-0. Ouh là là, excusez-moi pour ce P intempestif. Donc le score est toujours de 3-0 en faveur de Galatasaray. Nous sommes à la 73e minute. Donc le match va être bientôt fini. Il fallait peut-être attends, ça tient pas, ça fait chier. Alors que tout à l'heure ça tenait. Allez, le tacle. Oh là là, la pelouse, on dirait un terrain de rugby, ça c'est sûr. Oh là là, la faute. Oh là, il fait même tomber son coéquipier. Je vais avoir un vilain carton. Oh, ça va, c'est le jaune. Je préfère ça que le rouge. Je vois pas pourquoi il râle pour des cartons jaunes, c'est que des jaunes ça va. Ouais mais sauf qu'au bout d'un moment, t'es suspendu au prochain match, c'est au bout de deux je crois ou trois. Voilà le changement. Mais vous allez voir que des fois ils vont se gourer. En Barat, je l'ai bien rembassé par Schürrle. Ah non, ils vont pas le montrer là, c'est que dans les remplacements rapides. Parce qu'une fois j'avais remplacé, je crois, Altintop par Schürrle, ça me mettait que c'était Schneider. Et voilà, Altintop, Schürrle. Alors que c'est pas du tout ça. Ah si, en bas. Non, en Barat, je l'ai remplacé par Schürrle. Pas par Altintop. Vous voyez, il se trompe. Ça, c'est quand même problématique. L'occasion oh la frappe toute pourrie. Ouais, pas de soucis hein, pour le gardien. On revoit ce but une nouvelle fois. Par contre, ils peuvent pas se tromper si normalement. Si normalement je fais Umut Bulut. Attendez. Voilà, on sera plus tranquille. Voilà. Je vais faire rentrer Umut Bulut voilà, pour la fin du match. Du côté de Galatasaray. Voilà. Et là normalement ils peuvent pas se tromper comme il n'y a qu'un. Voilà. Nathan Evira qui sort et Bulut qui rentre. Bon bah bon match, hein, 3-0. Quand il y a un problème en mode carrière au niveau de la des entraîneurs quand tu les crées. J'avais pas mis qu'il était noir comme ça, j'avais mis ah trop long. survêtement bleu. Et moyen, et là il est en survêtement noir ou gris, et il est vachement noir quoi. Pourtant j'avais bien réglé le truc. Allez. Non. Allez. Oh, ça peut donner voilà. Quelque chose là parce qu'ils sont en sous-nombre. Ça me fait chier que je tousse là. Oh là là, non, on va pas se prendre le but, on se lira. Ok, elle est bien parti. Le gardien qui gagne son duel face à l'attaquant. Mais non, mais il est con. J'ai pas dit de l'envoyer comme ça. Oh là là. Bon, fin de match pas terrible du tout. Allez, on se lira. Et voilà, oh, même parti. Pas.
Et ça se confirme. Le gardien qui n'a toujours rien eu à faire. C'est assez rare quand même. Ouais, je pense que l'arbitre a hésité là pendant assez longtemps. Désolé encore une fois. Oh, Mousselera. Carton jaune, mais pas de pénalty. Alors ça, j'avoue que je comprends pas. Là, j'avoue, je ne comprends pas. Attends. Il a compté le carton jaune, mais pas le pénalty. Je comprends pas. Felipe Melo. Je ne pense pas qu'il aura la force d'aller au bout. Petite roulette. Allez, au bout de boulot. Une petite frappe. Oh, c'est bien parti. Ouh là là. Trop dévissé. Et c'est la fin du match. Et voilà, victoire. Voilà, vous voyez qu'ils sont tous sales. Regardez le genou là. Terminé, qu'il s'impose sur le score de 3-0. J'ai quand même le sentiment qu'il n'y a pas vraiment de match. Vous partagez mon analyse, Franck? Oui, on a vu qu'une seule équipe sur le terrain. Donc, elle était plus forte dans tous les cas du jeu. Comme je dis souvent, ils auraient pu jouer toute la nuit. Oh, et ma mère qui me fait chier avec son sirop pourri là, qui est dégueulasse en plus. Ouais, je voulais voir le CSC. T'as qu'à m'en acheter un meilleur. Ah, ils vont pas le montrer le CSC. Je sais pas pourquoi. Bon, c'est pas grave. Sur ce, j'espère que cette petite vidéo de FIFA vous aura plu. Moi, je vous dis à la prochaine. Allez, salut!